Un super confort. Allez, parti. Quel mot désigne le mieux crabois? Convivialité, moi j'ai. Ouais. Partage. C'est, moi, c'est le partage quand même. C'est quoi une scope? Moi je pose des questions. Jean-Pierre, c'est une scope. Société coopératrice ouvrière de production. C'est quoi un agenceur? 10 secondes pour expliquer. Oula. C'est facile, c'est quelqu'un qui assemble toutes les matières qui tournent autour de la décoration pour en faire un projet d'agencement commercial. C'est maîtriser toutes les facettes de l'agencement. Quelle est la première personne que vous avez vue en intégrant l'entreprise? Qu'en avez-vous pensé au premier abord? Jean-Baptiste, et je me suis dit qu'il était bizarre. Jean-Baptiste, et je me suis dit la même chose. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Dans 30 ans, à quoi ressemblera Crabois? Bon, on aura un étage. Ouais. On aura un étage, on sait plus où pousser là. On aura un étage. Ça vous ferait 102 ans. Il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde. Ils vont tout commander par smartphone. Non, ce sera une grosse entreprise. Une multinationale, je pense. Qu'on va racheter le terrain de foot en face là pour agrandir un peu. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Les vitrines. Des tableaux Excel. Ouais. Les vitrines Dior, ouais. Quand on a le goût de la chose, hein, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Vous avez 10 secondes pour nous donner envie de venir travailler avec vous. Souriez. Ah. Pendant 10 secondes. Je sais pas. On ça donne super envie. C'est long, hein. Super ambiance, en plus on fait des week-ends au camping. Voilà. Donc, Que faites-vous pour l'environnement chez Crabois? On brûle un peu tout ce qui traîne, mais à part ça... On éteint la lumière. On sait que les gens essayent de trier quand même les déchets. Le plastique, le carton et le bois. Voilà, et le bois aussi, oui. Et on récupère le bois comme un broyeur pour nous chauffer l'hiver. Quel est l'esprit de Crabois? Bah, c'est l'esprit coopératif, oui. En fin de compte, ouais. Donc c'est, ouais. Le partage, c'est ouais. Avoir une responsabilité diluée en fin de compte sur tous les acteurs de Crabois et faire en sorte de donner le meilleur de l'entreprise tous ensemble. C'était beau. Merci. Quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est le goût de l'amour. Un message à faire passer à vos collègues? Super la Crabox. Ouais, good. Quel est le film qui vous a le plus effrayé? Shining. La Shining. Version japonaise. Oh putain, Shining aussi, c'était Shining, pas mal. Ring, mieux quoi. Bienvenue chez les Ch'tis. Si vous deviez sacrifier un de vos collègues, vous choisiriez qui? Ah bah je dirais Nicolas Pompanel. C'est pas très gentil ça. Bah en même temps, c'est un sacrifice. Putain, il y en a tellement. Moi, je dis pas, je suis pas encore en CDI, donc je... Mathieu. Je vais pas dire. Si vous deviez interpréter un psychopathe, plutôt Freddy Krueger ou Hannibal Lecter? Ah, Hannibal Lecter, la grande place. Hannibal Lecter, direct. Lecter. Ouais, Lecter. J'adore Lecter. La cervelle. Ah, montrez-nous votre grimace la plus effrayante. Facile. Là, on l'a déjà fait depuis une demi-heure. Déjà, nous, on le fait depuis une demi-heure. Déjà, naturellement, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Une farce à faire à votre boss ou à un collègue? Lui rayer sa voiture, mais c'est déjà fait. Bah, moi, c'est pareil, pour ça, j'attends, je suis pas encore en CDI. Attention, il est derrière. Un serial killer se cache et crée à bois. Mathieu. Hein? T'es pas d'accord? C'est un petit côté inquiétant, je trouve. Il y en a plusieurs, je pense. Casimir, il m'a toujours fait super peur. Il est mignon? Non, Casimir, non. Mais il est mignon. Il a déjà violé deux ans. Pire méchant. Eric? Eric. Non, c'est un psychopathe, c'est pas un méchant. Un psychopathe. Méchant psychopathe. Qui te passe dans sa machine à balai par les pieds d'abord.